Salut à tous, vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de vous faire un haul try on nose. Je suis avec mon baluchon, c'est du tout frais, hein, j'en viens. J'ai décidé d'axer vraiment sur tout ce qui est textile. Je sais pas pourquoi j'y vais pas aussi souvent que ça, parce qu'à chaque fois je suis contente, à chaque fois je fais des super affaires. Et l'avantage c'est que, alors je vais tout essayer avec vous, je les ai pas essayés en boutique. Pour la bonne raison, c'est qu'ils proposent chez Nose. Bon, bien évidemment, il ne faut pas les abîmer, tu laisses les étiquettes. Si les textiles ne t'en vont pas, tu retournes en magasin et ils te recréditent directement sur ton compte. Je ne suis pas du tout en partenariat avec Nose, hein. Mais c'est le côté cool de la chose. Vous allez voir, il y a vraiment de tout. Je commence avec ceci, un jean. Le truc, c'est que taille 27, je ne sais pas, c'est US, hein, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc bien évidemment, hein, par rapport à ce que je vous disais juste avant, c'est ce qui a fait que j'ai dit, allez, tu le prends quand même. Il coûte 14,99€. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de stretch. Aux fesses, ils ont ajouté une petite plaque. Moi, ça ne me gêne pas. Il faut voir, hein, comment ça fait, si ça fait des fesses harmonieuses. La marque, c'est Gaudi, G-A-U-D-I. Je connais pas, et donc la taille, comme je vous disais, 27. On va essayer ça tout de suite. Je pense que c'est une taille qui est un peu trop juste quand même, on va pas se mentir. Il aurait fallu une taille au-dessus, je me sens hyper au niveau des fesses. Et sinon, je sais plus si je vous avais dit, mais il coûte 14,99€. Bon, alors j'ai repris ma place et on continue avec... C'est vraiment, on vous l'aura remarqué, hein, à la bonne franquette. J'ai gardé mes lunettes, il n'y a pas d'éclairage. Ceci de la marque Néo Noir, matière très très agréable, qualité irréprochable, vraiment. Celui-ci c'est une chemise ML noire, 12,99€, je pense que c'est ça. On va l'essayer tout de suite. Vous voyez ? C'est une matière qui est stretch, extensible. Elle s'arrête juste là. Beaucoup, beaucoup trop décolletée. À moins que je mette... c'est pas à moins, de toute façon, pas le choix, hein, de mettre un petit t-shirt en dessous. C'est dommage parce que il a quand même un joli rendu. Hein. Bon, tant pis. On continue. Donc, premier article, comme je vous disais, que je vais redonner. Le pantalon, je suis encore en réflexion. Ensuite, une tunique... Hyper originale, particulière. Alors par contre, elle est dans un état pas du tout d'habit au niveau de la qualité, mais elle est pas du tout, elle est toute fripée. Toute fripée. Il va falloir la repasser si jamais je décide de la garder, évidemment. Alors voilà déjà la qualité textile. 12,99€, c'est Care of You. Et je vais essayer tout de suite. Voilà ce qu'elle donne, je trouve qu'elle m'élargit de fou. J'ai vu que c'était une taille M, L, mais il n'y avait que ça. C'est dommage parce que j'aime bien quand même. Vous voyez, donc le côté plissé, la couleur, le petit col. Et au niveau des manches, on peut donc resserrer et ça plisse. J'ai mis hein, du coup un top en dessous et de dos. Voilà ce que ça donne. C'est pas laid, hein, mais... 13 années 90, non, vous trouvez pas. Donc cette tunique coûte 12,99€ et finalement je trouve qu'elle ne me va pas si bien que ça. Donc je vais la retourner. Deux articles que je retourne. Hop, je m'embête même plus. Je ne ferme pas jusqu'au bout. Je vous montre mon coup de cœur. J'espère que ça va m'aller. Il s'agit d'un chemisier de la marque. Il y avait tout, hein. Il y a Misguided, il y a plein. La petite étoile, Paris, avec un col un peu ras-de-cou Mao, des petits voilages, c'est comment, c'est vert, bleu marine ou noir. 19,99€, mais c'est une boue, donc elle est neuve, hein, qui coûte 50-60€ quoi. Elle est trop belle, la qualité est canon. Bon, le seul truc c'est ça, il y a un mauvais pli, c'est peut-être une question de repassage, je sais pas. J'adore! Et ça me va plutôt pas mal, hein. Un peu serré, mais ça se porte comme ça. Moi, je l'ai rentré dans le pantalon, on peut la mettre par-dessus. J'adore, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-ci, ouais, je vais la garder, je trouve. Hop,
Est-ce que vous me voyez? Donc, bah, je peux la mettre par-dessus ou bien comme j'ai fait juste avant. Et bah, mon coup de cœur, je vais le garder. Avez-vous remarqué que plus la vidéo avance dans le temps, plus je suis très décoiffée? Allez, on continue! Un poncho! Et bah oui, c'est toujours sympa de porter un petit poncho. Il est tout doux, il est brillant. Et c'est donc de la marque Zamba. Et c'est une taille unique. Tour Eiffel. J'ai pas acheté un pull Tour Eiffel, moi. 11,99€. Je sais pas. C'est ça que j'aime bien dans les ponchos, c'est que tu peux le porter donc seul. Le mettre par-dessus. Très sympa l'ensemble. Non? Bon, ça fait un peu des franges de partout. Et des étiquettes surtout, mais bon, tant que je sais pas, je les enlève pas. Il est magnifique ce poncho. Je continue. Ah ouais, attendez. La chemise, elle est pas trop mignonne. Avec les petits nuages au col et au niveau des emmanchures. C'est la marque etc. 22,99€. Mais cette chemise, je peux vous dire qu'elle coûte très très cher à la base. Je vais l'essayer, je vais surtout essayer de ne pas l'attacher. C'est comme je mets les crèmes hydratantes et compagnie. Je suis pas du tout certaine qu'elle m'aille celle-ci. Alors voilà ce que ça donne. Donc pas du tout, je pensais pas que ça allait être ça. Déjà elle est pas mal transparente et regardez, elle finit comme ça, droite. J'aime pas, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'elle avait un potentiel. Je m'empresse de l'enlever parce que je ne voudrais pas, comme je vous ai dit, la salir. Je vous reprends tout de suite. Alors, on va faire le petit bilan sur ce que je garde et ce que je ne garde pas. Ma décision est prise sur 6 articles et non 7. Je pensais, j'en garde 3, j'en redonne 3. Je vais donc garder le pantalon, finalement, que j'ai sur moi, parce que il a quand même une coupe intéressante. Idéalement, il faudrait que je perde au moins une taille pour être à l'aise dedans. Je garde la blouse, évidemment, mon coup de cœur. Je suis très contente. Et je garde également le poncho. Voilà, dites-moi un peu si vous trouvez que j'ai fait les bons choix en termes de je garde ou je garde pas. Celle-ci, non. Hein ? Ça non plus, rappelez-vous, ça va être chiant, je vais galérer à cacher tout le temps. Et puis bah, ça, pareil, je ne la garde pas. J'espère que ce petit haul découverte ensemble en fait vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vais m'empresser de retourner chez Nose pour faire tous ces petits retours. Je vous embrasse très fort et vous dis à demain pour la suite. Et puis ce sera un vlog, enfin un vlogmas plus précisément. Je vous embrasse. Salut.